Maman. Ah ben c'est jeté là. Il n'y a pas de vol ici, ça va. Oh, approchez la fanatique, voilà. Dans le mode direct, voilà, je suis avec le BK d'Afrique, Biscuadio. C'est lui, Biscuadio. C'est moi. Le promoteur, le spectacle, celui-là qui a déplacé le bureau du confort. Va t'amuser, c'est un G. Bon, reste qui est scouti, on commence l'émission maintenant, ok? C'est la folie ici pendant les personnes nudaises, avec des offres jusqu'à -50%. Dis, tu prends photo là, à côté des sneakers à -50%. C'est parfait, et je la partage tout de suite, hashtag mon plaisir Besson. Appelez tous les fanatiques de Bordeaux là, ok? Je vous offre l'émission en direct, ok? Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Derrière vous, ce village, enfin, derrière Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut le bonheur à vous. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Ah ouais, en Italie, c'était chaud. Hein. Ouais, on a cassé l'Italie. Turin, bravo et merci pour cet accueil. Merci, 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 merci. Ouais. C'était le feu. Italie, vous êtes bon. On attaque maintenant la Belgique. On se trente. Au calme avec Biscuadio, monsieur le promoteur. Ouais, toujours. Fais pas de bruit dans son coin. Ouais, c'est ce qu'il faut. Biscuadio. On a des invités ce soir. Ouais, alors on a ta cousine, son médecin. Steven Kwasi, joyeux anniversaire à mon fils et Mago. Mon bon petit, Mago. Mago à la rasée. Une force à déborde. Dans ce coin coin du matin, si c'est réel, Niki la marraine. Maduadu Karamoko. On est ensemble. Ouais. Big up à toi, mon fils est cagoulé. Big up à toi, mon fils est Erito. Ouais, c'est Scucci. Ouais. On est sur Africa numéro 1. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire. Et je serai là. Allons-y avec notre invité, l'un des boss de la musique ivoirienne, l'un des maîtres du coupé décalé de passage à Paris dans le cadre de sa tournée européenne. C'est la deuxième phase qui démarre dans quelques jours, la traversée de la Panthère. Yeah. C'est De Bordeaux, les Koumfas, qui est avec nous sur le plateau de la radio africaine. Salut De Bordeaux, je suis très heureux de t'accueillir. Salut, merci, merci. Moi, je suis content d'être là. Ça fait plaisir. Alors, tu es en Europe depuis le 13 février dernier et les spectacles s'enchaînent. Tu étais d'ailleurs ce week-end du côté de l'Italie où tout s'est bien passé. Ouais, à Turin. Je salue les fanatiques de Turin. Vraiment, merci pour... Vraiment, vraiment. Ils étaient vraiment parfaits. Ils magnifiques. Étaient, ouais. Ils étaient là, ils étaient présents. Ils ont répondu présents et ils étaient en fouca-fouca, comme on le dit dans notre jargon coupé décalé. Alors justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, t'es quelqu'un du matin, parce que là, il est 11h, t'es arrivé tôt, tranquille, tu vois, on voit que t'es en pleine forme, tout va bien. T'es un artiste plutôt du matin ou t'es plutôt un artiste de la nuit? Non, je suis un artiste de tous les temps. Ouais, et le matin, et midi, et le soir, on est partout. Alors la tournée qui continue, c'est la deuxième phase que vous venez tout juste d'enclencher. Alors déjà, pourquoi ce nom? La traversée de la Panthère, ça vient d'où? Bon, je crois que je vais demander à Biscuadio. Monsieur le promoteur, c'est lui qui a traîné. Attends, moi je suis pas une panthère, mais bon, ça va. Il veut montrer combien de fois on est féroce au fait. On vient pas comme ça pourtant, je vois. Voilà, ouais, tranquille, petit gars, tranquille, au calme, sur quoi. Les garçons.
continue avec différentes dates, dont une à Paris. Alors, les prochaines dates sont les suivantes. Tu seras le 30 mars du côté de la Belgique. Ensuite, Le Mans, la date arrive, c'est le 6 avril prochain. 6 avril, ouais. Le 12, c'est Paris au Vendôme Club. Le 13 avril, tu seras en Allemagne. Le 14, à Angers. Ouais. Le 20, en Italie. Ouais. Et puis après, tu retournes sur le continent. Le 27 au Maroc. Le 27 au Maroc. Ouais, et du 15 15 mai au 15 juin. Voilà, je serai entre l'Allemagne au festival de l'Allemagne à Hambourg, Africa Days. Du 15 au 15 juin, je serai au Bénin. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, tu étais assez silencieux ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Dernièrement, tu as fait un petit coucou à tes fans en disant « Je vais très bien, vous m'avez manqué, chers fans, je tiens à rassurer toutes ces personnes qui s'inquiétaient. C'est juste que l'on prend de l'âge, on a décidé de changer nos habitudes et notre manière de procéder dans nos directs. Ouais. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es rangé ou quoi, là? Ouais. De toute façon, bon, je ne sais pas si je lui ai dit que je suis un homme rangé ou pas, mais bon, je laisse à l'appréciation des autres. Mais bon, on a compris, c'était une chose, il est grand temps qu'on arrête un peu de faire les fous, voilà. On connaît qui est de Bordeaux, il est fou à la fois, en même temps, un homme... Il est fou quand tu dis il est fou, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je dis il est fou, ça veut dire il est direct et... Il est franc. Et en même temps aussi, il sait se mettre à la place aussi des autres, c'est dit responsable aussi. Donc on a opté un peu pour le côté plus responsable maintenant. Donc on est beaucoup concentré maintenant. Donc du coup, il y a certaines choses qu'on faisait avant qu'on ne pourra plus faire. Voilà, parce que maintenant, on pense carrière et on pense faire avancer surtout la musique, la culture africaine. Alors justement, on a un peu l'impression qu'aussi les réseaux sociaux et les clashs faisaient partie aussi du jeu, quoi, en fait. On se dit que vraiment, il me semble que les gens s'ennuient maintenant. Quand il n'y a pas de clash. Non, ils s'ennuient maintenant avec les clashs, parce que apparemment, les clashs, on a constaté que les gens pensent que c'est un peu, en quelque sorte, notre fond de commerce. On a l'impression que des fois, vous faites un peu exprès. Mais par contre, il y a des personnes qui font un exprès. Parce qu'ils utilisent le clash et les clashs pour pouvoir se promouvoir un peu de partout. Et moi, je veux montrer à tous les fanatiques que sans les clashs, moi, de Bordeaux, j'avance et je monte en puissance toujours. Alors, un plan de carrière, je suppose, et de nombreux projets pour les années à venir. Ouais. Alors, c'est quoi le plan, en gros, l'objectif que vous êtes fixé? Puisque c'est vrai que ce sont des singles qui sortent régulièrement, concepts des singles. Ouais. À quand l'album? Voilà, justement, on est là aussi pour la préparation de l'album. Voilà, Baby Philippe a déjà donné son OK. On a déjà commencé certains morceaux qui sont déjà finis. On va juste rajouter. Là, en mode concentration, on sait très bien que c'est pour une tournée, mais il y a d'autres morceaux encore qu'on prépare ici à partir même de la France. Donc, dès qu'on arrive à Abidjan, on aura le temps de tout boucler et lancer l'album. Alors, on t'appelle aussi Maître Maître. Le Maître Maître. Maître Maître. Oui. Mais en fait, quand tu dis Maître Maître, moi, ça fait trop simple. Maître Maître, ça fait un peu. Il y a un peu du tout. Maître Maître. Maître. Voilà, c'est comme ça. Yes. Et d'ailleurs, si je peux me le permettre, je sais qu'Arafat est aussi en Europe en ce moment. On s'en fout. Et la dernière fois que vous vous êtes vus l'année dernière, vous êtes réconciliés en vous promettant d'enterrer la hache de guerre de Bordeaux. Je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler quand même. Est-ce que vous êtes vus là depuis qu'il est en Europe aussi? Je sais qu'il a... Bon, franchement, ça m'intéresse plus cet épisode et je sais plus c'est qui. Je crois qu'on est passé à autre chose. Et excuse-moi un moment, mais j'aimerais en quelque sorte aussi lancer une information. Il est grand temps qu'on arrête d'assombrir un peu mon image en parlant de Didier Arafat partout où je suis. Excuse-moi un moment, pour ne pas me faire passer mal. Voilà, parce que à chaque fois quand j'arrive dans les émissions, moi, les gens, ils essaient un peu de se retrouver à partir du nom de Didier Arafat. Voilà, moi je suis de Bordeaux, il fait sa carrière. Mais non, c'est, mais en fait, après, il y a des trucs qui se passent sur Internet. Les gens en parlent, donc nous on peut. Moi quand je tape, par exemple ce matin en préparant l'émission, quand je tape ton nom, c'est que des clashs qui reviennent. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va quitter dans tout ça là, voilà, épisode Arafat, tout ça, c'est des enfantillages, c'était avant. Voilà, maintenant on pense professionnel, on a décidé de grandir.
Voilà, Dieu merci, on a encore du temps. Donc, on va travailler. Voilà, les petits artistes là, vraiment, c'est mélange. Les artistes qui ne savent pas ce qu'ils font, c'est fatigant. Voilà, qui m'excusent. Voilà. Justement, c'est vrai que tu es passé par beaucoup d'épreuves, justement, qui t'ont fait grandir, dont cet accident aussi dont tu as été victime. Ouais, et tu as perdu des membres de ton staff. Mon staff, ouais. Est-ce que ça va mieux? Comment tu as réussi à guérir de ça? Bon, ben, faut déjà se forger un mental de fait. Donc on a réussi avec les prières de nos amis, nos parents, tout et tout, on a réussi à surmonter ça, ça n'a pas été facile, voilà, même si on a des séquelles, que ce soit morales ou physiques, mais on essaie de faire avec, du coup, on n'a pas le choix, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, donc voilà, faut s'y habituer, voilà, et le temps a essayé, le temps nous a permis de se retrouver en quelque sorte, voilà, même si on a toujours quelques nostalgies et quelques pensées aussi pour nos gars, ça me fatigue, mais bon, on récupère ça. Pour en faire quelque chose de bon. Alors, qu'est-ce que tu réponds à certains qui disent que le coupé décalé, c'est un style et un mouvement qui vont disparaître s'ils n'arrivent pas à être renouvelés? Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes? Bon, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort ce qu'ils disent, parce que de nos jours, les gens, ils n'essaient pas de renouveler le coupé décalé, mais ils essaient de fuir, au fait. Ils sont un peu plongés, un peu sous les critiques de certaines personnes qui essaient de les rabaisser à chaque fois en leur disant « Ouais, vous êtes du nul, vous ne vous mettez plus au travail, dans la vie, machin. » Moi, je crois qu'on doit respecter un peu le code du coupé-décalé, voilà. Ça ne sera rien de s'entremêler, de se mélanger, voilà. Donc, il faut se mettre au travail réellement. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Voilà, les critiques en quelque sorte sont souvent constructives, donc du coup, il faut bosser, et il y a d'autres qui n'arrivent plus à bosser par manque d'inspiration, voilà, et c'est choquant, moi, ça me vient. Moi, je crois en coupé décalé, et moi, ceux qui disent que le coupé décalé va tomber, bon, peut-être qu'ils m'ont pas encore eu sur la route, sinon, pas qu'ils mangent plus, le coupé décalé existe. Alors, un mot sur, justement, les jeunes de la nouvelle génération, ceux aussi qui vous regardent pour s'inspirer, Ariel Chenet, Safarel par exemple, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes? Ouais, c'est des petits qui sont formidables, qui sont arrivés avec les grains de sel, qui sont arrivés avec leur esprit et avec quelques rajouts. Je crois que vraiment, moi personnellement, je suis fier de ces petits-là. Ouais. À Safarel, je suis vraiment fier et j'aimerais encore qu'ils bossent encore, qu'ils ne s'arrêtent pas là en fait. Qu'ils essaient de changer encore, apporter encore d'autres couleurs, tu vois, parce que après les gens ils parlent. Là, on a remarqué certaines couleurs de la musique, on comprend que c'est au-delà, c'est dans le coupé décalé, mais il va falloir aller encore au-delà de ce qu'ils ont proposé encore. Et je leur fais confiance. Est-ce que tu as envie de leur donner des conseils ou est-ce que eux, ça leur arrive de te demander des conseils? Ouais, tranquille, comme Ariel, vu que c'est mon petit, on a bossé ensemble. Ils arrivent, ah le vieux, sincèrement, j'aimerais faire de la musique avec toi, gros featuring, sincèrement, il le faut. Safarel aussi m'en a parlé. Donc, du coup, comme je peux, je verrai comment je peux les soutenir. Et franchement, c'est des petits biens. Il faut les aider à avancer. Bon, là, ils commencent à prendre, ils ont une certaine ascendance. On va encore les rehausser encore plus. Alors justement, il y a des sujets qui te sensibilisent et j'ai lu sur internet que tu étais toujours sensible au sort des plus démunis, notamment les enfants. Et ouais. J'ai lu qu'à tes heures perdues, tu passais souvent du temps dans les quartiers populaires ou dans des centres d'accueil. Et tu avais prévu prochainement en avril, normalement, de rendre visite à des pensionnaires de l'orphelinat Marie-Thérèse au Fouet-Boigny et d'Adjamé. C'était important pour toi de leur rendre visite, pour leur apporter notamment des vivres et des médicaments. Donc c'est important également de penser aux plus démunis, aux plus sensibles. Ouais, déjà, tout part de l'éducation parentale. On nous a appris à partager, on nous a inculqué une sens. C'est ta grand-mère qui t'a élevé? Ouais, ma grand-mère, ouais. Ma grand-mère, mon papa, mélangé, tout le monde. Bon, on va pas rentrer dans certains détails, c'est qu'il y a La famille. C'est quoi les valeurs qu'on t'a transmises justement? Ouais, et le partage, l'amour, fraternité. Voilà, faut servir, faut aider les gens qui sont dans le besoin réellement. Il faut aider quand on a, faut partager et faut être passionné de son prochain, tu vois. Il faut cultiver l'amour en fait. Donc, je crois que c'est ce qui est resté en moi. Donc, du coup, ce que j'ai, étant donné que Dieu m'a facilité, bon, pas facilité, m'a donné cette force de pouvoir chanter et à partir de cette musique, je obtiens certains revenus. Il faut aussi donner à ceux qui en ont besoin, qui sont dans le besoin, du coup. Et j'ai cette habitude de le faire, donc c'est pas nouveau pour moi. Donc voilà. Bon, je ne joue que par le partage. Bravo.
bravo pour cela. Alors, on va se retrouver dans un instant, on va écouter l'un de tes titres précédents. Alors, si j'ai bien noté, c'est sorti en 2017, Robo Macador. Ouais, Robo Macador. C'est quoi le concept de Robo Macador? Robo Macador, c'est-à-dire, c'est les personnes qui reviennent de loin. Oui, ouais. Les personnes qu'on a vues, qu'on pensait voir tomber. Ouais. Voilà, on va dire fini. Et du coup, il se relève, on va dire un peu le phénix qui revient un peu de ses cendres, voilà. Donc, du coup, je suis de retour et je monte en puissance en tant qu'un robot. Il est l'un des boss du coupé décalé, le passage à Paris pour annoncer la deuxième phase de sa tournée, la traversée de la Panthère, ça continue avec les prochaines dates. Bruxelles, c'est samedi prochain, la suite avec Paris le 12 avril, soyez nombreux au Vendôme Club, ça continue au Mans, le 6 avril au Mans, le 12 à Paris, le 13 avril c'est en Allemagne, le 14 à Angers, le 20 en Italie, à Bologne, le 27 au Maroc, et puis après le Bénin, en Bousto, Gato et tout, bon. Seul le travail paye. Le retour à Abidjan, c'est prévu pour quoi? Bon, le retour à Abidjan, c'est qui a su, je viendrai à Abidjan pour finaliser l'album et je continue encore avec la tournée. Voilà. Donc. 2019, ça devrait être ton année alors? Ah ouais, on va dire. On va dire. Tu es devenu sage. Bon, ouais, il n'y a rien dedans, comme on dit. C'est vrai. Il n'y a rien dedans. Tous les jours, bavardage, Facebook, une bavardie. Ouais, ça plaît aux gens, mais après, tu passes pour le ridicule, tu vois. Donc, il arrive un moment, il faut se concentrer, au fait. On veut se concentrer. Parce que surtout, tu as beaucoup de talent, vu que tu as commencé un peu tout seul, on va dire, comme un grand. Ouais, j'ai commencé tout seul parce que je suis producteur de mes œuvres. Voilà, je suis producteur, manager, metteur en scène, c'est moi qui fais tout. Donc du coup, là encore, venir m'occuper encore de ma communication, tu vois, ouais. c'est compliqué. Bon, là, on va se concentrer, on a créé un véritable staff, ouais, à qui on a légué tous ces charges, donc du coup... Ça va le faire. Ça va le faire. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public, à tes fans qui nous écoutent ce matin sur la scène d'Afrique Animale? Alors, très chers fanatiques, écoutez-moi très bien. Des Bordeaux que vous avez connu dans le temps, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est un changement. On monte en grandeur, voilà, et en hauteur aussi. Donc, retenez surtout que des Bordeaux les couvrent. Je serai à vos services. Voilà, j'apporterai tout ce qui est mélodie, tout ce qui est chanson. Moi, je vous apporte les musiques et les chansons. Vous, en retour, apportez-moi ce que vous devez. Voilà, donc rendez-vous le 30 mars. À Bruxelles, donc j'invite tout le monde et j'invite tout le monde aussi à tous mes shows de cette tournée. J'ai entendu dire que ce jour-là il y avait un match de foot, une grande rencontre. Ouais, une grande rencontre entre un match de foot. Bon, mais je veux jouer. Je sais que t'adores le foot. Ouais, j'adore. Ouais, c'est mon kiff. J'adore le foot et la boxe aussi. Ouais. Donc, on joue Côte d'Ivoire, Cameroun. Ouais. Des Bordeaux jouent chez les Ivoiriens. Donc, je vais me montrer un peu au Cameroun. C'est du côté de Bruxelles, c'est juste avant mon concert. Ah. Donc, je vais leur montrer comment ça va se passer. Voilà, je leur montre du coup incapable de Bordeaux et dans la musique. Elle sera sur le terrain.